Bonjour à tous, ici le Geekophile et je suis avec Florent. Et donc du coup on va se retrouver ce mois-ci pour notre revue de films. On a commencé le concept avec les films de janvier, voilà. Et là on a un petit peu entre temps revu pour que ce soit un peu plus équitable, ouais, sur le nombre de films vus. Un peu moins de name dropping, un peu plus léger. Donc du coup ce qu'on va faire c'est deux vidéos, ouais. On va parler de notre top des 10 au 6ème, c'est ça, et la, ouais, deuxième vidéo du 5ème au premier. Voilà. Alors on fait avec les films qu'on a vus aussi, donc peut-être qu'il y a des films qui sont sortis qu'on n'a pas vus. On n'a pas vu les mêmes, donc on va avoir des avis complémentaires. C'est et ça. Puis, si on parle par exemple d'un film qu'on a vu tous les deux, on va en parler tous les deux. Et puis après, si le mien est classé un peu plus haut, bah, je remettrai une petite information en plus. Et puis voilà. Voilà, voilà. Et bien c'est parti, on commence tout de suite avec le top 10. Donc, en numéro 10, qu'est-ce que t'as mis? Alors moi, en top 10, donc comme j'ai vu à peu près, enfin j'ai vu 10 films au mois de février, du coup le top 10, ça va être un film qui n'est pas grandiose, c'est Bird of Prey et La Fantabuleuse Histoire de Harley Quinn. Ouais, donc tu n'as pas mis Sonic? Alors j'ai pas mis Sonic, parce que j'ai pas vu Sonic et puis j'ai pas encore, je voulais le voir, j'ai pas eu le temps, donc j'ai dit bon on verra plus tard. Moi je l'ai vu, c'est pas mauvais, c'est moyen. Mm. Harley Quinn je l'ai vu aussi, je trouvais ça pas mal, mais j'en ai trouvé 10 meilleurs quoi. Voilà, donc si je devais lui donner une note, Harley Quinn ce serait 5 sur 10, dans le sens, ouais, c'est le film moyen de base, c'est-à-dire que c'est pas grandiose, c'est pas, je trouve pas que ce soit nul non plus comme je l'ai entendu. Bon, c'est... En tant qu'adaptation de comics, il y a un truc un peu fun, voilà, mais c'est pas marquant, je veux dire... Ouais, bon, c'est réalisé par une femme, c'est Cathy Yan. Alors j'ai regardé un petit peu ce qu'elle a fait, elle a fait Dead Pigs, alors je connais pas, j'ai pas vu ses films, hein. Elle a fait deux films apparemment, Dead Pigs et According to Mother, donc c'est deux films que j'ai pas vu, donc je peux pas en donner d'autres avis sur ce film. C'est un casting très féminin, c'est un message qui se veut un peu féministe, c'est un petit peu... Bah, particulier, en fait, mais... Tous les hommes dans le film sont des personnages toxiques. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'est vraiment l'émancipation dans l'idée de... regarde, on est une bande de meufs, on peut vraiment arriver à accomplir plein de choses, retrouver des bijoux, tout ça, faire un gang, battre tous ces salauds. Donc voilà, bon, un film sans plus, on va dire. C'est coloré, il y a deux, trois scènes de baston sympas. Ici, il y a un point positif, c'est Harley Quinn. C'est Margot Robbie qui joue bien, qui s'éclate. Elle est investie. Elle est investie. Sinon, après, il y a certains personnages, pour les connaisseurs de comics, c'est pas forcément extrêmement proche du comics sur certains. Mmh. Bon, voilà. Ça m'en fout. Ouais, je sais. Tu dis pas de comics, alors c'est pas... Mais bon, ça passe. Ouais. Alors moi, en numéro 10, j'ai mis un documentaire, parce qu'on parle aussi de documentaire dans ces tops. J'ai mis La Cravate, un duo de réalisateurs de Mathias Théry et Étienne Chailloux. Alors ils avaient fait un documentaire il y a quelques années qui s'appelle Sociologue et l'ourson. Je sais pas si tu en as entendu parler. Non, celui-là je l'ai pas vu, non. C'était un documentaire qui parlait du mariage pour tous. Mmh. Et en fait, le réalisateur a pour mère une sénatrice, et du coup qui avait un rapport avec la loi, et c'était fait avec des petits oursons, du coup, d'où le titre, qui parlait de cette loi. C'était vraiment hyper passionnant. Et là en fait ils reviennent cette année avec un documentaire qui se fait vraiment à deux temporalités. Tu vas avoir un gars qui va être assis sur un fauteuil et on va lui dire: alors est-ce que tu es d'accord avec tout ce qu'on a écrit dans le scénario de ce documentaire? Et lui il va lire et il va dire ouais, je passe un peu pour un salaud, mais franchement je suis plutôt d'accord avec vous. Et après tu repars en arrière et tu suis en fait ce comment dire, c'est un gars qui va travailler pour le Front National, qui va au début donner des affiches et qui va commencer à monter en grade, et tu vas avoir tous ses doutes. Comment est-ce qu'il voit le Front National, comment est-ce qu'il estime comment dire la logique ou les dogmes du parti. Et en fait tout va être mis en cause à peu près à la moitié du film quand tu apprends son histoire personnelle. Et tout va revenir à chaque fois à cette personne qui va être assise sur ce fauteuil et qui va se remettre en question. Et c'est vraiment passionnant. Mmh. Pour le coup, moi j'ai été pris dedans et c'est anti-manichéen. Ça dit pas regarde les méchants pas beaux, regarde les gentils. C'est vraiment prenant. Mmh. Moi je conseille ce documentaire. Et on passe au numéro 9 avec, donc moi j'ai mis Queen and Slim. Pareil, 9ème. Voilà. Donc un film de Melina Matsuka. Ouais.
Alors, l'actrice, j'ai jamais vu dans un autre rôle. Par contre, Daniel Kaluuya, qui joue l'acteur principal, il joue aussi l'acteur principal dans Get Out, et un acteur secondaire qui était ultra flippant dans Les Veuves. Et en fait, là, l'histoire, c'est un couple qui s'est rencontré sur Tinder. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, au début, une soirée, ça tourne pas trop bien. Non, genre, ouais, ouais, la relation, bof, bof. Et quand ils rentrent chez eux, et ben, il y a un flic qui est pas trop net, qui commence à les mettre en joue avec son flingue. Et là, ben, c'est le départ de des embrouilles, en fait. Ouais, ouais. Un rendez-vous Tinder qui tourne mal. Voilà. Ça fait un peu putaclic comme nom, mais c'est un peu l'idée du truc. Et du coup, c'est la cavale. Et la cavale d'un couple de noirs, ouais, à travers l'Amérique. Mm. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que au-delà d'espèces de road trip, de je cherche à partir, à quitter l'Amérique pour plus être poursuivi par les policiers, tu as vraiment tout ce couple finalement qui est, comment dire, qui est en légitime défense. Et cette image qui va être reprise par la communauté noire qui dit regardez, finalement, il symbolise toutes les bavures policières, non à l'impunité. Ouais. Tu vas avoir vraiment un soulèvement des populations. Et en fait, ils vont devenir des icônes. Ouais, c'est ça. Et moi, ce que j'ai aimé dans le film, et je me suis rendu compte finalement après coup, c'est que tout le cheminement qu'ils font, par exemple, quand ils changent de voiture, c'est comme s'ils remontaient dans le temps. Mm. Quand elle change de coiffure, cette femme, elle reprend une coiffure afro. Mm. Comme si on revenait à chaque fois sur des éléments passés de la culture afro-américaine. Après, il y a énormément de longueur. Il y a certaines facilités scénaristiques, où il y a à un moment un personnage d'un flic noir, ouais, qui prend une décision, on se dit « Ah, il va quand même pas faire ça, ça serait trop facile et trop bizarre. Ouais, » ouais. Et quand ça arrive, tu fais « Ah oui, c'est vraiment facile. » Ouais, c'est pour ça que moi je l'ai mis que 9e, ouais, parce que c'est vrai qu'il y avait 2-3 trucs qui m'ont un peu fait sauter sur mon siège. Après, ça reste pas un mauvais film. Hein. Ouais, la fin est prenante, il y a certains passages assez contemplatifs. Ça fait très, comment dire, le couple, je sais plus comment il s'appelle, Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde, voilà. À un quart du film, je me suis dit, eh, ça ressemble quand même beaucoup à un espèce de Bonnie and Clyde noir. Ouais. Et ils arrivent, il y en a qui le reçoit, ils font, alors, j'ai vu les médias, vous êtes un peu les Bonnie and Clyde noirs. Je fais, oh, foutez, voilà. On était mort de rire à ce moment-là parce que du coup, ils venaient de me le dire 20 minutes plus tôt. Donc, du coup, la même. Surdoué. Ouais, ouais. Mais donc voilà, c'est un. Donc je crois que c'était le premier film de cette réalisatrice. Ouais, ouais. Elle avait fait un truc sur Beyoncé avant. Ouais, elle faisait des clips pour Beyoncé. Voilà, elle faisait des clips sur Beyoncé. Et donc, Il y a quelques maladresses, un peu brouillon sur, ouais, au niveau de l'écriture, mais sinon le message est suffisamment fort et moi, ouais, j'aimerais bien voir d'autres d'elle. Bah ouais, ouais, une esthétique en tout cas. Bah, pour un début, c'est un, ouais, c'est un bon début. En 8e. Eh ben moi, en 8e, j'ai mis un blockbuster avec Le Voyage de Dr. Dolittle. J'ai rien vu de ce film, alors je te laisse en parler. Donc c'est un film de Stéphane Gagan. Ouais. J'avais rien vu de lui avant. Hein. J'ai vu qu'il avait fait apparemment Syriana et puis Gold. Alors c'est des films que j'ai pas vu du tout. Ah, attends, Syriana, c'est un film avec George Clooney, je crois. Ouais. C'est une espèce de thriller politique. Ah, c'est bizarre de le voir dans. Bah du coup, ouais, c'est ça, c'est bon. Okay. Mais donc du coup, voilà, j'avais rien vu de lui. Et c'est avec donc Robert Downey Jr. Bon voilà, par contre, grosse filmographie. Hein. Et donc ici, on a pour moi un beau film familial, mm-hmm, qui est beau visuellement. Le scénario, c'est quoi? C'est simplement le docteur Doolittle. Il avait une épouse, enfin une future épouse, et malheureusement, elle est décédée. Dans un voyage pour aller chercher un truc. On ne sait pas au début du film ce que c'est. Il a fermé ses portes de son cabinet de médecin. Il veut plus voir personne, il s'est isolé avec ses animaux. Et un jour, il y a deux jeunes qui viennent. Un qui vient parce qu'il a blessé en chassant un écureuil alors qu'il ne veut pas chasser. Voilà. Et une petite fille qui est émissaire de la reine d'Angleterre, qu'il a déjà sauvée par le passé et qui lui a payé cette demeure. Voilà. Mais sauf, d'accord, que la demeure appartient encore à l'église d'Angleterre, voilà, selon les contrats. Mais du coup, il parle aux animaux dès le début. Alors, il parle aux animaux dès le début. C'est une capacité magique. C'est-à-dire, en fait, alors apparemment, c'est pas une capacité magique dans le sens où ils nous l'ont présenté comme quoi c'était qu'on pouvait l'apprendre. Et on le voit tout au début, on le voit parler aux animaux, mais on le voit parler en animal. Et après, on a un genre de flou
sur l'image qui fait qu'en fait ça nous traduit en fait. D'accord, d'accord. Donc en gros, ils nous sous-entendent que les animaux ne parlent pas, que lui parle pas normalement, en fait, il va comprendre en fait en leur parlant dans leur langage. Un peu comme dans le 13e guerrier, avec tu vois, ce soldat arabe qui va discuter avec des vikings, il va les écouter parler, et au bout d'un moment il va comprendre le dialecte, et bam, il va se mettre à parler avec eux. C'est ça, en gros, c'est un truc comme ça, c'est, on le voit, voilà, au début, la première scène est atypique parce qu'on voit Robert Jr. qui fait des cris de singe, des cris de perroquet, etc. Et après, on a un genre de filtre sur l'image qui fait qu'on comprend, on passe dans la traduction des animaux, et après on reste sur la traduction des animaux sur le reste du film. D'accord. Mais voilà, on s'est amené comme ça. Et puis après, ils vont devoir partir sur ce périlleux voyage, comme c'est dit par Robert Downey Jr. Mmh. Et donc, ils vont chercher un objet. J'en réduis pas plus, ça nécessite pas de t'en savoir plus, mais c'est un beau divertissement. C'est sympathique, il y a quelques simplicités scénaristiques, voilà, ça reste un film qui se laisse bien regarder. Donc aventure, comédie familiale, bien. Voilà, c'est ça. Alors moi, en numéro 8, j'ai mis, alors le titre à rallonge, un documentaire qui s'appelle Cyril, agriculteur, 30 ans, 20 vaches, du lait, du beurre et des dettes. Le titre qui vend tout. On se dit, hé, mais de quoi ça veut parler? Alors, j'avais vu la bande-annonce, je me suis dit, oh là là, ça a l'air super déprimant, dis donc, j'ai vraiment pas envie de voir ce film. Et je devais aller voir Jedi au cinéma avec ma femme, et finalement les horaires correspondaient pas, on s'est dit, bon, on a qu'à aller voir ça. Et quand j'ai vu le film, je me suis dit, c'est très déprimant, mais c'est passionnant, du coup on va suivre ce Cyril, qui va avoir sa petite exploitation, et en fait, au-delà de tout le discours social de « Oh mon Dieu, regarde, les agriculteurs, c'est terrible, ils peuvent pas survivre au prix où ils vendent le lait. » Par exemple, il devrait avoir une trentaine de vaches pour pouvoir être rentable. Mais du coup, il a fait un prêt pour acheter ses vaches. Il y en a 8 qui sont mortes de maladie. Et du coup, il n'a pas pu en reprendre parce que sinon, au niveau du prêt, il n'était pas bon. Alors du coup, il est en déficit, il n'arrive pas à se rembourser. Ben c'est vraiment le cercle vicieux absolu, et le gars il se tue à la tâche, il en peut plus, et tu te rends compte que humainement et familialement, il est pas du tout soutenu. Son père il dit, ouais, mais si tu arrives pas, c'est que t'es nul. Donc vraiment, on voit le gars qui est écrasé et on est avec lui. Il y a des moments où il est en stress, par exemple, tu vois, il a des palpitations, et t'es vraiment avec lui, tu comprends. T'as pas un regard extérieur en disant, toi, parce que tu pourras avoir un regard en disant, bah, si t'es pas content, t'as qu'à changer de métier. Mais tu te rends compte qu'en fait, le gars, il est bloqué. C'est impossible, il a pas de porte de sortie. Et c'est vraiment dramatique. Mais c'est puissant. Et on est en totale empathie. Ça fait un peu penser au Nom de la Terre. Alors non. Moi, je me suis dit, ça peut être un complément au Nom de la Terre. Et oui, parce que c'est aussi réaliste que au Nom de la Terre. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé au Nom de la Terre. Parce que du coup, t'avais un discours social qui était très fort. Avec du coup, ce père qui rentrait dans une espèce de déchéance, de dépression. Et là, vraiment, t'as ce gars qui a 30 ans qui se dit, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Est-ce que c'est encore possible d'être agriculteur? Et dans le film, tu te rends compte que c'est très 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 difficile, quoi. Vraiment, c'est marquant. Gros conseil. Le deuxième documentaire que j'ai vu ce mois-ci, vraiment magnifique. On passe cette fois-ci au numéro 7. Numéro 7, ouais. Alors numéro 7, on a encore un accord, puisque c'est le cas Richard Jewell. Le cas Richard Jewell de Clint Eastwood. Alors juste trois films rapides de Clint Eastwood. Bah après en tant qu'acteur, il y en a Mirabelle aussi. Mais en tant que réalisateur, il a fait aussi Gran Torino. Gran Torino, Million Dollar Baby. Mystic River, ouais, bref. Il y a énormément, carrière prolifique, le mec 89 ans, il continue à tourner des films plutôt... Oh, plutôt c'est mon dernier, ah bah non, en fait on fait au moins. Voilà. Oh, et puis j'arrête pas. Donc voilà, grosse filmographie de ce monsieur. Et ici, donc il nous vend donc un petit peu, donc on va sûrement le comparer à Sully, on peut rentrer pourquoi. Le héros américain qui est remis en question. Voilà. Où on se dit, c'est un peu bizarre quand même, hein. Il aurait peut-être pu faire autrement. Ou, attends, il a dit qu'il y avait une bombe là? C'est peut-être lui qui a mis la bombe. Parce que, il a totalement le profil du gars qui met des bombes. Donc du coup, voilà, le concept, c'est un mec qui, dans une ouverture de JO, donc un concert, trouve un sac et il y a une bombe dedans.
Et du coup, comme c'est un mec qui a toujours rêvé de faire partie des forces de l'ordre, etc., que c'est un petit peu le mec qui veut devenir en force de l'ordre, mais qui n'y arrive pas voilà. parce qu'il est trop impliqué, des choses comme ça. Il vit encore chez sa maman. Voilà. Et du coup, la CIA dit ah mais attends, tiens, il a un profil de le héros meurtrier, enfin le héros qui veut de le mec qui veut devenir héros. Le pompier pyromane. Voilà, pompier pyromane, ils disent. Ouais. Et les médias, ils font effet boule de neige avec l'affaire en lançant des suppositions comme des vérités et en fait c'est vraiment toute la machination judiciaire qui tourne autour de ça et lui qui est écrasé avec sa maman qui est assez naïve et qui voit son fils qui est comment dire qui est triste pour lui et lui qui essaie de se dépêtrer tout en gardant sa gentillesse et un peu son zèle de policier et c'est vraiment comment est-ce que cette machination peut être écrasée donc t'as tout un rapport aux fake news et du coup à la machination judiciaire et médiatique c'est vraiment bien fait. Il y a 2-3 défauts. Ouais. Peut-être des personnages un peu caricaturaux. Ou certaines scènes qui tournent un peu en longueur. Ouais, et puis il y a des fois un peu de longueur sur certaines choses. Alors le personnage, il est bien joué parce qu'il y a quand même des moments en fait où on a envie de le secouer. Et du coup, c'est vrai que c'est assez bien fait parce que c'est fait pour ça. Après, il souffre de la comparaison avec Sully, qui est un des films donc, du même réalisateur, qui parle d'un sujet similaire hein, dans le sens où l'héroïsme, l'héroïsme qui est remis en cause etc voilà et d'ici on a un côté donc beaucoup plus centré sur les médias par rapport à celui qui est beaucoup plus sur la justice et ça reste un film intéressant mais c'est vrai qu'il a ses longueurs il a ses défauts ce qui est quand même à noter c'est un super casting veux dire du coup cet acteur le Paul Walter Hauser il jouait vraiment des seconds rôles dans Moitonia c'était vraiment le gars un peu fort tu vois genre regarde c'est une patineuse je peux lui éclater la gueule dans Backlands Man aussi c'était un peu l'abruti du Ku Klux Klan Sam Rockwell qui joue l'avocat qui joue un très bon Moon magnifique et dans Jojo Rabbit qui faisait l'instructeur enfin des instructeurs et la maman du coup qui était nommée à l'Oscar Katie Bates qui est connue pour Minority notamment non vraiment c'est le casting qu'on retient c'est vraiment des performeurs acteurs mais cet acteur là l'acteur principal j'aimerais bien le voir dans d'autres productions parce que finalement c'est un peu bizarre de dire ça mais c'est un physique qu'on voit pas souvent c'est vrai. Après forcément c'est un biopic donc faut correspondre au personnage que tu dépeins mais je trouve que en tant que héros c'est assez rare. Ouais ça, mais c'est plutôt bien de le voir du coup au premier plan et d'être un petit peu cette diversité dans le cinéma hollywoodien. Voilà. Et il y a une leçon de fin qui est très forte. On va pas la révéler ici mais à la fin tu dis putain c'est vrai. Donc voilà. Donc Clint Eastwood, même si c'est pas son meilleur film, fait quand même deux très bons films. Ouais voilà, c'est la cuvée presque chaque année. Ben ouais voilà. Alors numéro 6. Et bien numéro 6, je repasse au cinéma français avec Le Prince Oublié de Michel Hazanavicius. Grosse filmo Hazanavicius. Voilà, bon on peut en citer deux gros principes les plus connus, Viartiste, OSS 117. Les deux premiers OSS 117, le troisième c'est pas lui, enfin celui qui sortira. Une grosse filmographie, il a fait beaucoup de choses, il a fait des choses très différentes. Et ici il nous sort un film donc avec Omar Sy en personnage principal. Il y a aussi Bérénice Bejo, sa femme, qui joue dedans, qui joue un rôle aussi assez important. Et ici, on suit donc le personnage d'Omar, d'Omar Sy, qui du coup est un père qui ne veut pas voir sa fille grandir et qui va créer un monde en fait où il raconte les histoires, il invente des histoires à sa fille tous les soirs, il lui raconte des histoires. Et ils ont présenté ça un petit peu de manière un peu méta dans le sens où c'est un studio et à chaque fois en fait avant on voit ce qui se passe dans la tête d'Omar de allez action, l'histoire commence dans 2 minutes, tout le monde en place, on a besoin des vikings, on a besoin... voilà. Et il y a cet univers qui est créé avec cette peur de l'oubli, hein, parce qu'il y a un monde de l'oubli qui est créé, etc. Et c'est vachement bien fait parce que un jour la petite fille va arriver au collège et du coup elle va grandir et elle va rencontrer un autre prince et le père en fait qui jouait jusqu'à présent le prince va être relégué et en fait il va dire ah bah non vous n'êtes pas accepté dans l'histoire on attend le prince et puis il dit mais c'est moi le prince et là il y a le jeune homme qui rentre et Omar va se retrouver démuni hors de son histoire et se trouve embêté parce que du coup il se sent plus impliqué dans la vie de sa fille. Et à ce moment-là, il va y avoir ce moment où Omar va essayer de re-rentrer dans la vie de sa fille, pas forcément de la manière qu'il faut, il va essayer de faire des enfin, il va essayer d'éloigner ce garçon, etc. Et on voit ce garçon qui élève sa fille seule,
qui va tout faire pour, entre guillemets, récupérer sa fille, garder sa place, sa place auprès de sa fille, et il ne va pas vouloir la laisser grandir, en fait. D'accord. Et c'est assez intéressant, déjà visuellement c'est très beau parce qu'ils ont créé un univers très coloré, avec plein de personnages. Une espèce de créature rêvée, genre dans la boîte d'annonce j'ai vu par exemple t'as un homme qui est entièrement en eau avec un poisson. Voilà, c'est ça, il a... et en fait selon l'âge de la petite fille, il va y avoir des créatures différentes, des créatures qui sont même oubliées. Hein. Ouais. Ça fait pas du coup penser beaucoup à Vice Versa ? Parce que quand j'ai vu la boîte d'annonce, je me suis dit, le rapport peut-être l'enfant qui passe à l'adolescence, ouais. Donc il doit lâcher des choses. En effet, il y a ce parallèle qui peut se faire à Vice Versa, parce qu'il y a aussi ce monde de l'oubli, hein. On pense au doudou d'accord. dans Vice Versa qui va tomber dans l'oubli. Bah, il y a un petit peu cet ami imaginaire, c'est pas un doudou, qui on se retrouve avec certains personnages comme ça qui sont tombés dans l'oubli entre guillemets, et qui a ce monde qui est issu, voilà. Donc après c'est un film sympathique. Il y a quelques longueurs, c'est un peu long. Il y a des trucs très simples, très marrants. Donc, par exemple, il y a du genre de panneaux publicitaires qui vont un petit peu refléter les pensées d'Omar pendant le film, quand il est dans la réalité, en fait. Hein. C'est un petit peu un Roland, son imaginaire dans la réalité. Après, il y a... voilà, c'est un petit peu longuet sur certains trucs, mais ça reste un beau film qui est intéressant, qui peut se voir en famille. Donc voilà, si vous avez des enfants, vous voulez voir un film sympathique. Alors peut-être pour les plus petits, c'est peut-être un peu long, mais pour les enfants de début collège avec les parents, ça peut être intéressant de le voir, je trouve. C'est... Moi je l'ai pas vu, mais c'est vrai que en tant que film français, c'est rare d'avoir des propositions qui tournent un peu dans l'espèce de fantastique. Ouais, c'est ça, ouais. L'histoire. Et voilà, c'est y a cette métaphore de la réalité, de détacher de sa fille, etc. C'est plutôt bien amené. Ouais. Très bien, très bien. Alors moi, en numéro 6, j'ai mis un film que je pensais mettre beaucoup, beaucoup plus haut. À la sortie de la salle, je me suis dit, ouais, c'est bon, ça va être le top 1 de février. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que en y repensant, peut-être une semaine ou deux après, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, il y avait The Gentleman de Guy Ritchie. C'était très bien, mais j'ai vu mieux, quoi. J'ai vu mieux et je trouve que ça tient pas la longueur, en fait. Donc, c'est un film... hyper méta. Guy Ritchie, on est habitué à ce style un peu gangster. Il avait fait ça dans Arnaque, Crime et Botanique, dans Snatch ouais, dans le superbe agent très spécial, Code Uncle. Après, il avait fait des trucs un peu douteux aux États-Unis. Ouais, c'était pas. Le Roi Arthur aussi. Le Roi Arthur, j'ai pas trop pris. Et là, c'est vraiment ce qui était considéré un peu comme son retour aux sources. Et c'est vrai. Donc on a encore cette histoire d'arnaque, on a cette histoire de drogue avec ce personnage de Matthew McConaughey qui va acheter des châteaux en Angleterre pour faire pousser de la beuh, pour la revendre. Et t'as ce côté un peu lord, dans tout le film t'as ce côté un peu genre English, oh so shocking, et en même temps ils vendent de la drogue. Et t'as ce rapport du coup avec le produit qu'ils vendent, par rapport à ce que eux ils représentent, que j'ai trouvé génial. Le montage est absolument cool. On va avoir Hugh Grant, qui est connu pour beaucoup beaucoup de comédies romantiques, et là qui va jouer un scénariste qui va essayer de faire chanter un des personnages, et du coup il va se faire avoir. C'est vraiment ce genre de film où en fait il y a des gens qui ont prévu deux coups à l'avance, et du coup c'est vraiment jubilatoire parce que tu suis ça, tu fais ah, les salauds, en fait ce qu'on a vu dans cette scène, c'était tout l'inverse qui s'est passé. C'est un film qui joue avec le spectateur. Donc du coup c'est super fun pendant deux heures. Moi j'étais genre oh, c'est excellent, mais c'est pas marquant dans le temps. Je sais pas comment le dire. Mais je l'ai vu en VO, je pense que tu l'as vu aussi en VO. Ouais, j'ai vu en VO aussi. Ouais. Mais il y a ce petit accent anglais qui est vraiment sympa. Le côté british est excellent. Peut-être que tu en parleras plus après. Parce que moi je l'ai mis un peu plus haut, donc je n'en reparlerai pas. Mais ouais, je conseille vraiment, si vous avez été déçu par Guy Ritchie ces dernières années. Mais il y a un petit problème, mais sinon ça reste vraiment... ça reste du bon, très bon Guy Ritchie. On va arrêter cette vidéo ici. Ouais, et on va passer sur une deuxième vidéo. Ouais, deuxième vidéo pour parler 5. des 5 meilleurs. Voilà. Donc, à tout de suite pour la deuxième partie. Salut.